Bonjour, aujourd'hui nous allons coudre le corsage camaré. Le corsage camaré est un corsage très moulant avec des petites bretelles qu'on va coudre nous-mêmes. Vous pouvez également décider de prendre des rubans ou de la dentelle pour créer vos bretelles, mais les ajustements seront les mêmes. Vous avez remarqué que dans ce patron, en fait, il est entièrement doublé. Là, je l'ai doublé avec le même tissu. Et que il y a des pinces. Donc il y a deux grandes pinces devant et deux petites, et puis deux grandes pinces dos. Donc ce sera à faire sur la doublure et sur le tissu vêtement, en fait le tissu extérieur. Je vais vous proposer également une manière de le transformer en robe. Dans le livret, je vous propose un métrage pour un seul tissu. Comme ça, de l'intérieur et de l'extérieur, c'est la même chose. Ici, je vais le coudre avec deux tissus différents. Il y aura un tissu extérieur et un tissu intérieur doublure. Ça vous va vous permettre de voir les pièces de manière séparée. Par contre, on voit très mal l'envers de l'endroit, donc je ferai des marquages pour que vous vous en rendiez compte. Et je vous le dirai de toute façon à voix haute à chaque fois. Je vous conseille fortement de faire une toile, c'est-à-dire de faire des tests sur un vieux tissu type drap, par exemple, là il y en a une. J'ai fait une toile en fait dans un vieux drap. J'ai cousu que une fois le corsage parce qu'en fait avec la doublure vous le cousez deux fois et vous les assemblez ensemble. Et je fais des ajustements sur moi avant de faire la version finale. Donc de toute façon tout à l'heure je vous montrerai comment ajuster le corsage sur vous. Donc comme je vous disais, je vais coudre donc le vêtement dans une broderie violette et dans une doublure de voile de coton. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour ces pièces-ci et vous ferez la même chose en même temps pour la doublure. Donc on commence par cranter les repères. Donc ici, vous voyez, la pince, ça va jusqu'en haut. Donc je fais deux crans. L'écran doit faire moins d'un centimètre de long, sinon ça va se voir dans la couture. Ici aussi, il y a deux crans. Vous prenez également, alors ça prend un peu de temps. Je vais vous montrer pour un point et vous ferez la même chose partout. Vous allez prendre un fil de couleur contrasté, assez long. Vous le coupez et prenez une aiguille à coudre. Et vous allez marquer chaque point de pince. Ça sert aussi pour les repères de poche. Donc par exemple, ici, j'ai un point. Hop, je pique dedans à la verticale. Je ressors derrière. Je prends les deux bouts de mon fil ici. Je fais un nœud. Le but, c'est que ça ne traverse pas le tissu. Et de l'autre côté, il y a l'aiguille qui ressort. Je tire sans que ça traverse le tissu. Je coupe ici. Et je fais un nœud également. Il ne faut pas que ce soit trop court, sinon ben, ça va être compliqué après pour ouvrir vos pièces. Vous faites la même chose sur ce point-ci, ce point-ci, ce point ici, 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 et ici. Et vous faites exactement la même chose aussi sur les pièces doublures. Alors, quand vous avez bien marqué toutes vos pinces, vos repères de pinces comme ceci, surtout les vêtements, là, les petits crans ici, et puis sur les tissus doublures aussi. Comme vous le remarquez, je me suis amusée à décalquer mes pièces de patron pour que ce soit plus simple et que je puisse faire tout en simultané. Sinon, il aurait fallu faire l'un, puis l'autre à découper. Voilà. Ça vous permet de tout poser d'un coup sur votre tissu. Donc, je vous encourage vivement à décalquer vos pièces de patron. Ce qu'on peut faire également pour nous aider pour les bretelles, c'est faire un cran. Donc, les bretelles se coupent à 1 cm du bord de l'emmanchure. Donc, l'emmanchure est là, vous voyez. Donc, je mets un petit repère ici de 1 cm. Je fais pareil de l'autre côté sur la pièce dos.
ici, je mesure 1 cm, c'est la marge de couture, et je fais un cran. Et comme ça, ce sera plus facile pour positionner vos pièces. Donc vous faites ça uniquement sur le vêtement devant, puisque de toute façon, c'est sur celui-ci qu'on va fixer les bretelles. Devant, pardon, sur les pièces vêtements, pas doublure. Voilà, donc comme ça j'ai mon cran tout de suite pour poser les bretelles. Maintenant on va ouvrir les pièces, on va enlever les épingles. Donc on enlève les épingles. Je vous montre pour un et puis vous ferez pareil pour les autres. Quand vous avez enlevé les épingles, il y a les fils qui sont toujours coincés dedans. Donc, délicatement, on tient le papier et on décolle et on tient le fil en dessous pour faire passer le nœud à travers. Ah, bah mon nœud s'est défait. Voilà. Ensuite, ici, je fais pareil. Et puis le dernier en dessous surtout. Et voilà. Et donc là, j'enlève ma feuille de patron. Je me retrouve avec mes repères un peu partout. Et il faut ouvrir la pièce en deux. Donc, on va ouvrir délicatement comme ceci. Mais en faisant attention à ne pas trop tirer pour pas que les fils passent. Et au fur et à mesure qu'on ouvre, ça s'écarte. Vous voyez là, hop, ça s'écarte. Il y a le fil qui est là, au milieu entre les deux. Et on coupe. Hop, tout doucement, ici je vais couper. Et puis le dernier en bas. Et donc maintenant nous nous retrouvons avec nos pièces repérées comme ça. Avec, il ne faut pas que les nœuds passent en fait à travers. Donc je les remets envers face à moi. Voilà. Et puis je vais les marquer. Ça c'est l'envers. Je les marque, c'est l'envers. Comme ça, je me trompe pas. De toute façon, dès qu'on aura fait les pinces, on saura que c'est l'envers. Parce que les pinces ressortent vers l'envers. Vous faites pareil pour défaire toutes les autres pièces. Quand vous enlevez les épingles. Je vais vous montrer comment installer maintenant, préparer les pinces. Donc, sur la pièce devant. Vous prenez la pièce devant, comme ça. Voilà. Vous voyez que vous avez vos repères de pinces. Donc pour m'aider, je vais tracer à la craie les pinces. Donc là, j'ai la pointe de ma pince devant et les deux petits crans ici. Donc je les relie. Donc la pointe de ma pince, hop, avec un des crans, donc celui-ci, jusqu'à la pointe de la pince. Je fais un trait. Et le deuxième cran, voilà. Ensuite, je fais ma grande pince. Donc là, j'ai la pointe du haut que je vais relier sur le côté. C'est un guidage pour piquer après tout à l'heure. Là, je retrouve et le reste de ma pince, elle est là. Hop. Et vous faites ça pour toutes les pièces. Quand vous avez marqué tous vos repères de pinces et que vous avez tracé vos pinces à la craie sur les pièces, vous allez les épingler. Donc par exemple, on va prendre cette pince-ci, là, dos. Ici, c'est l'envers. Donc il faut plier vers l'envers. Le surplus va aller vers l'envers. Donc vous pliez endroit contre endroit
les deux bords de cran de pince d'en haut. On retrouve ces. Hop. On les superpose, les crans, et on épingle. Ensuite, on prend le bout de pince qui est ici et on plie comme ceci. Voilà. On prend une épingle et puis ici, voilà, on sait que c'est une ligne droite. On épingle ici pour maintenir. Ici, ensuite, vous allez piquer dans le repère là où il y avait le fil et regardez derrière si vous tombez bien dans l'autre repère avec le fil. Donc il faut faire ça. Alors, je le cherche, bien sûr. Voilà. Et j'épingle. Et voilà. Et là, j'ai ma pince qui est préformée. Je peux, pour maintenir ici, faire pareil, voir si mes traits se superposent bien. Hop, voilà. Pour essayer de faire au mieux. Parce qu'en fait, les traits qu'on a tracés, c'est là-dessus qu'on va coudre. Donc, vous faites ça pour cette pince-ci et vous faites pareil avec la deuxième pince là. Et je vais vous montrer pour un devant. Voilà un devant vu de l'envers. Donc, il y a une pince au milieu à faire et une petite pince à faire sur le côté. Donc là, pareil, on va prendre par exemple une épingle et puis on va piquer dans une pointe ici et faire ressortir dans l'autre, de l'autre côté. Et hop, on superpose. Voilà. Ensuite, on prend les deux du bout. On peut faire l'inverse, on commence par celle du bout. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Hop. Et puis on épingle notre pince. Vraiment que le repère soit dans le pli. Et puis, pareil que pour la pince d'eau, on superpose les traits. Pour se donner les meilleures chances possibles d'ajustement. Et après, ici, il y a encore la petite pince en haut dans l'emmanchure. Donc, on fait pareil que tout à l'heure pour le dos. On superpose les pointes, les bords crantés et on va jusqu'à la pointe comme ça. Faut que ça se superpose. Voilà. Je vais piquer directement pour voir là. Oh. Et là, mes crans sont superposés. Sur la feuille de patron, vous verrez, il y a un léger petit décalage. Un surplus en fait, c'est pour aider à superposer correctement que les longueurs soient pareilles. Je vais vous montrer. Moi sur ma feuille on la voit pas parce que c'est une petite taille, mais ici vous aurez un. C'est un peu plus grand en fait pour que ces deux lignes soient de la même longueur et que vous puissiez les superposer. Et donc vous faites cet épinglage également pour l'autre côté devant et les pièces doublures. Quand vous avez épinglé toutes vos pinces, du vêtement, vous allez les piquer. Alors pour les piquer, par exemple, quand vous commencez par une pince qui commence dans le vide, en fait, là par exemple dans l'emmanchure, vous commencez par le haut, vous faites des points d'arrêt, vous piquez sur le trait, et quand vous arrivez vers la pointe, là où il y a le repère avec le fil vert, vous allez vraiment piquer sur le bord du tissu et mourir dans le vide. Pour que le bout de la pointe soit pas trop violente, que ça s'adoucisse. Et ici, pour des pinces qui sont en plein milieu, vous allez commencer à coudre un petit peu avant sur le bord du tissu et en ayant fait un peu même avant. Vous piquez sur le trait et pareil, à la fin, vous allez faire mourir sur le bord du tissu pour que ça s'évanouisse. Vous faites ça sur les pièces devant et sur les pièces dos. Si vous êtes en train de faire votre toile, c'est pas la peine de faire la doublure. Si vous avez déjà fini votre toile et que vous êtes bon, vous pouvez faire également la doublure en même temps. Quand vous avez cousu vos pinces, là on voit le dos vu de l'envers et le dos vu du devant de l'endroit, vous couchez vos pinces au fer vers l'extérieur pour le dos et pour les devants. Hop.
Vous couchez la pince milieu, la grande pince, vers le côté extérieur, et puis celle du haut vers le haut ou vers le bas. Apparemment, il y a deux écoles. Ça fait plus push-up, apparemment, vers le haut. Voilà. Arrivé à cette étape, normalement, vous devez entoiler les devants tout le long pour vos boutonnières. Ça, c'est pour les renforcer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est une suggestion. Ici, moi, je ne vais pas le faire parce que mon tissu, il est avec des petits trous et que du coup, ça va se voir sur l'extérieur. Mais ce que vous faites, c'est que vous mesurez la longueur. Vous prenez 2 cm de large de bande. Et ensuite, vous allez la coller à 1 cm du bord. Parce qu'en fait, la marge de couture, elle est à 1 cm du bord. Donc, vous retirez 1 cm du bord ici. Vous pouvez tracer un trait à la craie. Je vais le faire pour vous montrer. Donc 1 cm. Ah. On trace un trait de 1 cm. Voilà. Et vous allez coller votre bande d'entoilage ici, comme ceci, en laissant 1 cm vide. Et la bande a fait 2 cm. Et vous collez ça au fer sur les deux côtés, sur ce côté-là devant et l'autre côté devant. Et vous faites ça que sur le tissu côté vêtement, le côté extérieur. Moi ici, je ne vais pas le faire. Maintenant, on va assembler le dos et le devant ensemble. Hop, j'ai ma doublure qui traîne, qui attend que je lui fasse ses pinces. Donc je prends mon dos, en droit face à moi. On le voit parce que on voit juste une ligne pour les pinces, d'accord? On va prendre un devant. On va mettre posé en droit contre le dos. Voilà, j'ai les pinces donc je sais que c'est l'envers. Je prends le côté avec l'emmanchure comme ceci, que je plaque avec le côté avec l'emmanchure. Hop, et je vais épingler les côtés ensemble. Voilà. Comme c'est entièrement doublé, il n'y a pas besoin de surjeter les côtés en fait. Ce sera à l'intérieur. C'est pratique, ça fait des choses au moins à faire parce que les pinces prennent énormément de temps, mais ça vaut le coup de s'appliquer dessus. D'ailleurs, avec les pinces, on peut jouer sur leur largeur en fonction de pour vos ajustements de toile. Faut pas hésiter. Donc voilà, j'épingle un côté. Ensuite, je retourne comme ceci. Il me reste un côté du dos qui est libre. Je prends l'autre côté devant. Je plaque le devant en droit contre le dos en droit. D'accord? Donc là, je vois l'envers. Et là, je vois l'endroit du dos. Je mets les côtés ensemble. Je sais que c'est le bon côté parce que de toute façon, le grand côté tout droit du devant, là, ici, il est censé être au milieu. Et là, il y a une courbe et c'est l'emmanchure. Donc, je les épingle également. Puis, ces deux côtés qu'on a épinglés, on va aller piquer à 1 cm du bord et on va écarter les coutures au fer. Donc voilà, mon corsage est désormais assemblé, le côté vêtement en fait, celui qu'on va voir sur l'extérieur, vous voyez. Ça fait une grande pièce comme ça, avec les emmanchures, un bout de devant, le dos et puis un autre bout de devant. Voilà. Alors, arrivé à cette étape-là, si vous avez déjà fait votre toile, il suffit de refaire la même chose avec la doublure. Je vais vous montrer comment ajuster vos bretelles et savoir la longueur qu'il vous faut. Et ensuite, on préparera les bretelles et on les installera à celui-ci. Alors, je vais vous montrer comment régler vos bretelles. Donc, vous voyez, j'ai ma toile. J'ai plié au fer mes marges de couture de 1 cm. J'ai marqué également ici la superposition de mon devant, 2 cm sur les 2 cm ici. C'est là où on mettra les boutons. Et donc, j'ai marqué toutes mes marges. J'ai mis une longueur de bretelle. Comme indiqué dans le tuto, vous voyez, c'est beaucoup trop grand.
Donc, j'ai épinglé mes bretelles dans le dos, au repère. Donc, en fait, les bretelles, elles sont installées sur le bord de la marge de couture, les petits repères qu'on a fait au tout début. Donc, j'enlève l'épingle et puis je tire ma bretelle jusqu'à ce que j'ai la longueur qui me convienne. Voilà, donc, et puis je réépingle. Je fais pareil de l'autre côté. À la couture, hein, c'est souvent, il faut essayer. Hein, et si on coud tout et qu'après à la fin on le met et que ça va pas, les patrons de couture, c'est pas du sur-mesure. On est obligé de faire des ajustements. Donc là, bon, c'est encore trop, à mon goût, c'est trop lâche. Je sais que, voilà, en plus, bon, l'aiguille est partie. Et voilà, j'ai pas mis de longueur de bretelle parce que, en fait, selon les gens, ça change tout le temps. Et je veux pas que vous cousiez un truc avec une longueur déterminée et après vous me disiez bah c'est pas la bonne longueur. Parce que oui, ça risque fort de ne pas être la bonne longueur. Donc je vous donne une longueur max. Et ensuite vous devez ajuster vous et choisir. Donc vous pouvez faire ça avec un ruban. Ou alors vous cousez vos bretelles, une grande longueur, vous faites des ajustements et ensuite vous coupez ce qu'il y a en trop. Donc là, voilà, j'ai fait, ça me l'air plutôt pas mal. Je suis contente si je me penche et tout, si je me mets debout. Qu'est-ce que ça donne si je bouge mes épaules? Je vois si ça glisse. Si ça glisse, bon là, ça a glissé parce que l'épingle, elle est partie. Et quand j'ai trouvé la longueur qui me convient, eh bien, je mesure du bord ici jusqu'au bord derrière. Je vérifie les deux, parce que ça se trouve on a un petit peu bancal, hein. On a tant qu'à faire, on peut se le faire sur mesure. Et on rajoute 1 cm de marge sur la longueur qu'on a prise. Donc on prend la longueur d'ici du bord. Hein. Là vous voyez, j'ai plié mon tissu sur 1 cm. Hein. Sinon ça fausse tout, hein. Vous aurez 2 cm en trop. Et pareil dans le dos. Et vous faites vos bretelles, je vais vous montrer après comment faire. Alors, pour ajuster un patron à votre taille, on commence par coudre une toile dans un tissu dont on ne veut pas. On ne fait pas les finitions, on ne va pas jusqu'au bout en fait, on fait déjà des ajustements et on peut en s'en servir aussi pour tester des techniques. Donc par exemple ici, vous allez coudre une seule fois le corsage, donc 2 pièces devant et 1 pièce dos, vous faites les pinces, vous marquez au fer les marges de couture, vous marquez au crayon. Par exemple, la bande devant en fait qui va se superposer de 2 cm. Donc quand vous avez fait votre pli au fer de 1 cm ici, vous mesurez 2 cm et vous faites un trait. Pareil de l'autre côté, comme ça vraiment vous mettez comme il faut. Et là ça baille parce qu'en fait j'ai ma marge de couture qui rubique. Vous faites vos pinces et ensuite vous mettez des fausses bretelles, là, comme j'ai fait ici, et puis vous l'enfilez. Et là, vous regardez où ça va pas. Donc, déjà, dans un premier temps, vous avez pris vos mesures et vous avez certainement dû peut-être couper sur 2 ou 3 tailles différentes pour ajuster à votre morphologie. Ici, vous connaissez le tableau des tailles, mais je sais qu'il y a des femmes qui ont le haut beaucoup plus large que le bas et donc, du coup, elles ont été obligées de couper les pièces plutôt comme ça pour s'ajuster. Après, si elles veulent le laisser plus large et plus flou en bas, c'est possible aussi. En fait, c'est vraiment selon votre convenance. Vous pouvez tout à fait adapter la coupe à votre manière de porter votre vêtement. Et alors là, vous allez commencer à pincer en fait. Donc, les pinces, ça peut être pas mal. Genre, je les veux plus serrées, plus ajustées. Donc, je vais pincer et je vais mettre des aiguilles. J'imagine. Moi, je veux pas. Cela, je ne respirerai plus. Mais avant, je veux plus pincer ici. Hop, je vais mettre une aiguille là. Et puis voilà, je vais remettre mes aiguilles. Pareil ici, si je veux plus, hop, je mets des aiguilles. Je veux que ce soit ultra serré, donc je mets des aiguilles ici. Et quand j'ai tout fait, tous mes repérages, comme ça, je vais enlever mon vêtement, le mettre à plat, tracer des traits aux endroits où j'ai mis mes épingles pour relier en fait ce que je veux modifier. Et je vais reporter ces modifications sur mon patron. Donc je vais vous montrer, je vais l'enlever et je vais vous montrer. Donc je vais par exemple modéliser. Donc j'ai mis une aiguille là et puis je vais le faire avec la pince et puis ce côté-là. Hop, genre je veux que ce soit plus serré ici. Voilà. Que la pince ici, je trouve que ça baille trop. Hop,
ici, donc je vais pincer un peu plus ici. Voilà, c'est des choix à faire. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc pour finir l'ajustement, là par exemple sur cette pince-ci, j'avais mis une aiguille là. Je prends, voilà, je marque ici et après, il faut que ça marche. C'est ici, là, l'épingle elle est épinglée ici au plus large. Donc je fais un trait et ensuite je vais rejoindre mes points. Hop, voilà. Après, évidemment, là j'ai fait ça, mais peut-être qu'elles seront plus longues les pinces sur vous. Donc vous aurez pincé jusqu'à l'extrémité où vous pensez que c'était nécessaire. Moi j'en ai mis qu'une pour vous montrer. Et du coup, votre pince, vous allez la recoudre jusqu'ici. Et après, vous réessayerez pour voir si ça vous convient mieux. Pareil, si jamais vous aviez voulu modifier la pince poitrine en la resserrant, voyez, j'ai mis la pince ici. Donc, hop, je mets ma marque comme ça, et puis je rejoins en mettant bien mon tissu tout plat comme ça. Je rejoins à la pointe de ma pince qui est là. Hop, et je tire un trait et je repiquerai sur ce trait-là ma pince. Si c'était sur les côtés, bah ce sera la même chose. Vous avez fait des réglages. Alors ça, c'est pour resserrer, hein. Vous avez fait des réglages. Pareil, là, il y a la... C'est sur un côté. Mais il faut faire sur les... Ah, alors attention, hein, quand vous travaillez sur une pince, il faut faire sur la pince symétrique la même chose. Donc quand vous faites des tests, il faut pincer les deux pinces en même temps pour voir si vous êtes à l'aise. Si vous pincez qu'une pince et pas l'autre, ce sera déséquilibré. Là, bah, c'est pareil, j'ai pincé sur mes deux côtés, donc je fais la modif sur ce côté-là et je reporte la modif sur l'autre côté. Et je vais, bah, là, je vois qu'il y a, hop, il faut que ça reparte comme ça. Quand vous avez fait ça, vous repiquez sur vos nouveaux tracés, vous réessayez de nouveau et si ça vous convient, vous allez reporter ça sur votre patron. Donc dans ces cas-là, pour le patron, pour un, vous allez mesurer sur la pièce devant et la pièce dos, par exemple pour les côtés, ce que vous avez enlevé ici. Et vous allez reporter ici la même chose et retracer. Après, vous redécoupez. Alors attention, il faut prendre en compte les marges de couture. Donc dans ces cas-là, vous mesurez de la couture jusqu'ici et vous retirez... ici, ce qu'il y a. Si vous mesurez tout et que vous retirez, vous aurez trop enlevé. Donc, vous mesurez l'espace entre la piqûre et la deuxième piqûre. Et là, cet espace-là, vous le retirez d'ici. Et vous faites pareil sur le dos, sur la pièce dos. Et vous retournez là. Et puis, vous mesurez ici. Et vous reportez sur là. Pour les pinces, vous reportez vos mesures exactement de la même manière. Partout, vous mesurez, vous reportez, quitte à refaire une toile pour vérifier que ça va vraiment parfaitement bien. Alors, vous avez essayé votre corsage, la toile de votre corsage, et en fait, vous êtes rendu compte que sur le haut, devant, ça bâillait énormément en fait. Donc, vous avez pincé de manière équilibrée en haut de votre corsage, comme ça. Et vous êtes rendu compte qu'il faudrait enlever un peu de matière de chaque côté en haut de votre corsage. Donc, du coup, quand votre corsage est mis comme ça, donc ça vous fait une sorte de pince qui va arriver jusqu'à la pointe de l'autre pince qui est au niveau de l'emmanchure. Sauf que ça ne fait pas joli de rajouter une pince là. Donc, on va transférer cette pince sur les côtés. Alors pour ça, vous retirez le corsage, la toile de votre corsage, et vous mesurez ici la longueur que vous avez retirée. Normalement, c'est la deux fois la même chose sur les deux côtés devant. Donc vous mesurez, par exemple ici en haut, j'ai retiré 0,5 cm. Et donc comme c'est plié en deux, ça fait 1 cm. Donc j'avais 1 cm de trop. Sur mon milieu devant ici et sur mon milieu devant là. Donc je note donc 1 cm. Donc 1 cm c'est ce petit bout et ce petit bout vers jusqu'à l'aiguille, hein, d'accord? L'aiguille elle va là, donc le total de ce morceau plié en deux, ça fait 1 cm. Je prends donc ma feuille de patron devant qui est ici. Donc ici il n'y a pas de pince.
Vous choisissez un endroit là devant où vous pliez, c'est comme vous voulez, à peu près au milieu, hein, d'accord? Et vous faites un écart de 1 cm. Donc ici, un trait là et 1 cm plus loin ici. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai en trop sur le haut de mon patron. Je trace cette pince en allant jusqu'à la pointe de l'autre pince. Vous voyez, hop, hop. Voilà. Donc je me retrouve avec ces deux traits et on va les superposer. Pour cela, on va créer un pli sur ce trait-ci, par exemple. Ça peut vraiment, ça peut être dans l'inverse. Hop, on plie ce trait. Donc, vous voyez, j'ai réussi à plier le trait jusqu'à la pointe de la pince qui est là. Je prends ce trait et je vais le superposer sur l'autre trait, comme ça. Donc c'est tout petit, ce que je retire pas beaucoup, et je le superpose comme ceci jusqu'à la pointe. On prend le temps parce que c'est vraiment rikiki. Voilà. Je prends du scotch et je scotche. Hop. Donc maintenant, je sais que ici, mon patron est comme ça. Alors là, je ne peux pas l'aplatir parce que c'est bombé, vous voyez. Si je l'aplatis, ça va faire bizarre. Ça fait un volume. Donc on va faire en sorte que ça se réaplatisse. On prend des ciseaux pour couper le papier, pas le tissu, bien sûr. Et vous allez couper à l'intérieur de cette pince, au milieu à peu près, jusqu'à la pointe là. Donc je coupe. Hop. Et vous voyez, naturellement, la pince qui était au niveau de l'emmanchure, elle s'écarte. Là. Vous prenez un petit bout de papier. Vous le glissez sous votre patron, comme ceci. Vous scotchez les bords. Hop, pour que ça se tienne bien à plat. Et là, du coup, en fait, on va créer notre nouvelle pince. Donc, vous mesurez combien il y a. Alors, ici, j'ai 9 cm et ici, j'ai 9 cm. Donc, je peux redessiner à peu près comme ça. Voilà. Vous faites en sorte que quand on va superposer, plier cette pince, ça se rejoigne et qu'on n'ait pas besoin de redécouper ensuite. Donc en fait, là maintenant, la nouvelle pince, c'est les traits extérieurs avec l'intérieur agrandi. Et quand vous allez refaire donc du coup une seconde toile avec cette pince plus grande et ici c'est plus raccourci, vous verrez, ça vous ira. Alors quand vous avez fait votre toile, vous voyez la marche qui est pliée ici, ça c'est le dos du corsage et en fait ça baille, il y en a trop en fait. Donc pour ça, il faut reprendre sur la pince qui est ici. Donc quand vous avez, donc je vais la mettre à l'envers, quand vous avez ajusté sur vous, vous êtes rendu compte qu'il fallait un peu plus, comme ceci, et vous avez épinglé. Donc par exemple, il fallait 1 cm de plus, j'exagère, de ce côté-ci, et 1 cm de plus de ce côté-là. Et pareil pour la deuxième pince, parce qu'on pince de manière égale. Donc quand vous avez ça en tête, vous prenez votre patron de dos, ici, vous mesurez en haut de la pince ici 1 cm de plus de ce côté-là et 1 cm de plus de ce côté-là. Et vous rejoignez ces marques à l'endroit le plus large de la pince. Et vous tracez un trait. Hop. Et donc maintenant, ce sera votre nouvelle pince en fait pour le dos. C'est ça qu'il faut prendre en compte et plus ces tracés-là. C'est les tracés que vous venez de faire. Donc pour mes bretelles, je vais mesurer combien j'ai besoin. Alors ici, vous voyez, je les ai laissées épingler et je vais mesurer avec mon mètre ruban ce dont j'ai besoin. Hop, et donc c'est 25 cm pour moi, pour mes bretelles. Donc je rajoute 2 cm de marge, donc ça me fait 27. Alors, pour les bretelles, j'ai prévu de faire deux bandes de la longueur nécessaire avec une largeur de 6 cm pour que quand elles sont complètement fermées, ça fasse 2 cm de large. Si vous estimez que c'est des bandes trop larges, 2 cm,
Vous pouvez faire plus petite, donc il faudra modifier votre largeur. Si vous voulez 1,5 cm, vous faites 1,5 cm x 2, donc ça fait 3, plus 2 cm de marge sur les côtés. Vous pouvez également mettre un ruban, une dentelle. Si c'est élastique, faites attention parce que ça va se détendre. Vous pouvez également décider de mettre des liens. Vous pouvez coudre vos liens vous-même. Il faudra fermer un bout en fait et puis faire un petit nœud sur l'épaule. Je vous montre moi mes bretelles et après c'est à vous de décider ce que vous préférez. Pour pouvoir créer vos bretelles, vous avez deux rectangles, de la longueur nécessaire, vous avez mesuré avant, et de la largeur de 6 cm. Pour pouvoir les préformer, vous les pliez une première fois en deux, l'un contre l'autre, envers contre envers. Donc on voit l'extérieur, l'endroit face à vous. Vous rouvrez. Puis vous faites un pli de 1 cm sur le premier bord, c'est la marge de couture. Et après, pareil ici, 1 cm. Et vous faites ça sur les deux bretelles. Quand elles sont formées, vous pouvez épingler pour pas que ça bouge. Vous allez piquer ici, le long du bord, le plus près possible du bord, et vous ferez pareil de l'autre côté. Ça fera deux surpiqûres parallèles. Et vous faites pareil ici. Si jamais vous vouliez faire des liens à nouer, il faudrait une longueur beaucoup plus grande. Il faudrait 4 morceaux comme ça, dont un bout qui serait fermé au bout. Voilà, quand vous avez surpiqué vos bretelles comme ceci, vous allez les installer sur votre corsage. Donc je le prends ici, voilà. Je mets endroit face à moi. Donc ici j'ai le dos. Donc je prends mes bretelles et je les mets endroit. Donc je détermine lequel est l'endroit. Ici. Et pareil, celui-ci, je vais décider que c'est celui-là l'endroit, hop, ici. Donc ici, vous avez normalement fait un petit cran à 1 cm de ce bord-là, voilà. Vous retrouvez le cran et vous épinglez votre bretelle. Voilà. Vous faites pareil ici. Et vous épinglez à 1 cm du bord. On retrouve le cran. On peut mesurer pour vérifier et être sûr. Hop, donc moi je remesure. Est-ce que ça fait bien le bord à 1 cm? Là, j'épingle une deuxième épingle pour pas que ça bouge. Parce que c'est important d'être bien précis. Et ici, hop. 1 cm et j'épingle. Je fais pareil avec les devants. Donc ici, j'ai mon devant. Là, c'est l'emmanchure. Donc je prends ma bretelle comme ceci. Je lèche toujours endroit contre endroit et je la ramène là. Je retrouve mon petit cran de 1 cm. Hop, je décale jusqu'à ce que j'ai. Et j'épingle ma petite bretelle. Là, c'est 2 cm. Si vous trouvez que c'est trop large, vous la faites plus petite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Voilà, 1 cm. Après, je décale ici. J'ouvre. Je garde toujours ma bretelle endroit contre endroit. Je la remonte ici. Et je la cale à 1 cm du bord. Hop. Je remesure, je vérifie vraiment tout parce qu'il ne faut pas qu'elle soit piquée tout à l'heure quand on va mettre la doublure. Quand vous avez fait ça, vous voyez, quand on va remonter la bretelle comme ça, la marge de couture va aller vers l'intérieur. C'est ce qui va se passer. Vous allez piquer ici à 0,5 cm du bord, partout. Voilà, pour les maintenir en place. Vous pouvez même, malgré la doublure, réessayez votre corsage pour vérifier que les bretelles vraiment vous conviennent au niveau longueur et réajuster. Donc dans ces cas-là, vous piquez que l'arrière, vous laissez les épingles devant, vous réenfilez votre corsage, vous faites les tests de longueur de bretelles et ensuite vous piquez à 0,5 cm du bord quand vous êtes sûr de vous. Quand vos bretelles sont fixées, vous voyez ici,
Elles sont fixées, et là c'est l'envers, là c'est l'endroit. Donc quand on les remet comme ça, hop, on voit que le devant est à 1 cm du bord, que là le derrière, l'arrière, le dos est à 1 cm du bord. Là il y a la manchure et puis la bretelle. Maintenant, vous allez coudre la doublure de la même manière sans les bretelles. Vous faites les pinces. Et vous faites l'assemblage sur les côtés, vous pensez bien à coucher vos pinces au fer et à écarter vos coutures au fer. Donc quand votre doublure est entièrement montée comme le corsage que vous avez fait juste avant, vous allez installer endroit contre endroit la doublure avec le corsage déjà cousu. Donc vous épinglez, vous voyez. Je mets endroit contre endroit, donc on voit ici l'envers, et puis là on voit l'endroit, et puis là c'est l'envers, donc endroit contre endroit. Et on prend en sandwich les bretelles. Donc j'aligne mes angles ici, puis j'épingle. Tout autour, en faisant attention à bien garder mes bretelles perpendiculaires ici. S'il faut, je les fixe avec une épingle pour éviter qu'elles bougent. Et je vais faire coïncider tous mes repères, c'est-à-dire mes espèces d'angles, d'emmanchures, les pinces ici, les coutures de côté. Et comme ça, en prenant bien évidemment attention ici à ma bretelle qui reste bien entre la doublure et le corsage visible, voilà. Et on épingle comme ça tout autour. Quand vous avez entièrement épinglé votre corsage, endroit contre endroit, donc la doublure avec le vêtement qui se verra sur l'extérieur, le tissu qui se verra sur l'extérieur, vous piquez tout le tour à 1 cm du bord, mais vous laissez une ouverture suffisamment grande pour pouvoir vous retourner votre corsage. Quand vous avez piqué à 1 cm du bord tout autour de votre corsage, vous allez cranter les angles pour pouvoir retourner proprement. Donc moi je fais des bons crans, proche de la couture mais pas trop. Vous faites ça à tous les angles. Et puis dans les courbes, vous pouvez vous aider en faisant des crans de temps en temps pour assouplir. Donc faites ça tout autour. Et quand vous avez bien cranté tout autour comme ça, vous allez écarter les coutures au fer tout autour une première fois pour vous faciliter ensuite le repassage de l'autre sens quand ce sera sur l'endroit. Donc vous écartez les coutures au fer comme ça tout autour. Donc comme vous voyez, j'ai écarté mes coutures au fer et c'est cranté. Donc maintenant, je vais retourner. Donc là, vous allez voir, je vais retourner sur une robe. Donc c'est assez grand. J'avais laissé un trou pour pouvoir retourner ma doublure. Donc je retourne tout. Et le corsage, il y a moins à passer, évidemment, parce que c'est une petite pièce. Et on retourne sur l'endroit votre corsage, robe pour ma part. Hop, voilà. Et puis on va bien retourner les angles, donc on va travailler chaque angle pour les mettre au mieux. Donc il faut passer la main dans le corsage et puis passer vraiment chaque angle tranquillement. Vous voyez là, je retire sur ma bretelle ici, voilà. Donc j'arrive sur un premier angle ici, hop. Je travaille l'angle avec mes doigts comme ça. Je peux m'aider d'une aiguille pour retourner. Hop. Et puis je mets bien mon angle comme je le souhaite. Et je continue comme ça tout autour. Hop, ici il y a un angle à côté de mon
de ma bretelle. Donc, je vérifie qu'il est bien sorti. Ici, voilà. Ici, c'est l'emmanchure. Donc, je vois que ma bretelle n'a pas été prise dans la couture. Là, mon angle, elle est sorti. Hop. Je fais tout le tour comme ça. Voilà, l'angle est sorti ici aussi. Et voilà, ma deuxième bretelle n'a pas été prise dans la couture. Je suis assez contente. Et j'arrive à l'autre angle devant. Il est là. Hop. Je retourne, je le travaille, mon aiguille. Et quand j'ai bien retourné tout mon corsage ou ma robe pour ma part, je vais le repasser comme ceci, tout l'assemblage, en faisant rouler légèrement le tissu extérieur. Vous voyez, on voit, ça dépasse en violet, pour que la doublure sur l'extérieur ne se voit pas. Donc vous prenez votre temps avec votre fer de bien faire ça tout le long. Voilà, partout. Quand vous avez bien repassé tout le tour de votre corsage, vous faites une surpiqûre le plus près possible du bord. Tout autour, comme ceci. Et ça fermera l'ouverture que vous avez laissée. Parce que l'ouverture, quand vous avez repassé tout autour, en fait, vous avez formé le pli, en fait, pour que ce soit bien droit. Vous faites ça. Sinon, il y a aussi la possibilité de ne pas surpiquer et de fermer sur le côté au point visible. Ce que je vais faire, d'ailleurs, avec cette robe-ci, pour vous montrer la différence. Donc, vous prenez du fil, une aiguille, et puis vous allez faire des points cachés. Donc, on prend bon, voilà, vous voyez, j'ai fait un pli avec le fer, j'ai rentré mes marges de couture à l'intérieur de 1 cm. C'est ce que de toute façon vous feriez aussi également quand, si vous surpiquez tout le tour le plus proche possible du bord. Et là, ce que vous allez faire avec du fil et une aiguille, c'est que vous allez piquer une fois dans là, par exemple, vous allez faire 3 allers-retours sur les mêmes points, hop, hop, et ensuite, voilà, ça fait un point d'arrêt, vous piquez un coup dans la doublure, hop, dans la marge de couture, bien sûr, un coup dans le tissu, un coup dans la marge, comme ça, vous allez faire ça comme ça, jusqu'à l'autre côté, et à la fin, vous ferez un point d'arrêt comme au début, et vous tirez au fur et à mesure. Et ça va refermer, en fait, les deux tissus ensemble. Un coup, ici. Un coup ici, sans qu'on voit sur l'extérieur. Voilà. Et on tire. Et vous faites ça jusqu'au bord, là. Donc ici, moi, c'est une finition que j'ai fait de bas de robe. Voilà, et vous fermez ici avec 3 points d'arrêt. Vous faites des points d'arrêt ici pour plus que ça bouge. On fait des points d'arrêt pour terminer. Hop. Et après, on planque le fil et on coupe. Quand vous avez fini de fermer votre corsage, et moi, ma robe, vous voyez, elle est ouverte, mais maintenant, il faut faire des fermetures devant. Donc, ici, on pose. Voilà, mon corsage, il est fini. Et ici, vous voyez, j'ai des boutonnières et des boutons. Alors, vous pouvez très bien décider de mettre des boutons pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux devants se superposent sur 2 cm. 2 cm donc ici, 2 cm, ça veut dire que le bord de mon autre devant va arriver là. Hop. Donc il faut installer vos boutonnières de manière à ce que vos deux devants se superposent sur 2 cm. Donc on choisit un côté où il y aura les boutonnières. Moi, je vous montre sur celui qui est déjà fait, comme ceci. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos boutons. Et puis, vous allez déterminer où il s'installe. Je le mets dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Là, j'ai le haut, je le mets 1 cm du bord.
Là, j'ai le bas, je le mets à 1 cm du bord. Et c'est aussi à 1 cm de ce bord-là. Hein. D'accord? Après, vous trouvez le milieu entre ces deux-là et vous posez le bouton. Vous pouvez trouver le milieu entre ces deux-là et vous posez le bouton. Le milieu entre ces deux-là, vous posez le bouton. Et ainsi de suite. Si vous en voulez plus, après, vous pouvez en rajouter plus. Voilà. Quand vous avez déterminé tout ça, vous allez changer de pied sur votre machine à coudre. Vous allez prendre le pied de boutonnière. Vous prenez le bouton, hop, vous mettez ici et vous réglez la bonne taille tout de suite. Ensuite, vous allez choisir une boutonnière sur votre machine à coudre et la coudre. Moi, ce que je fais avant, c'est que je fais un test sur le tissu pour voir la taille qu'elle fait et si ça passe bien. Donc ici, par exemple, je sais que ça mesure 2 cm. Donc, le haut de ma boutonnière ici devra être, je mets un demi centimètre du bord et ce sera sur 2 cm. Et ensuite, eh ben, je vais faire des repères au fur et à mesure régulièrement en fonction de là où j'ai mis mon bouton parce que si c'est 2 cm, ça veut dire que le point où j'ai décidé de mettre mon bouton, il y aura 1 cm au-dessus et 1 cm au-dessous. Donc vous notez à chaque fois un trait sur le de repère de début de boutonnière et comme ça à chaque fois quand vous passerez dans la machine, vous vous calerez dessus. Donc quand vous aurez fait vos boutonnières comme ceci, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous pouvez les ouvrir avec un cutter à boutonnière et vous mettez dedans comme ça. Hop, en faisant attention à ne pas couper le fil qui est cousu. Et en dessous, vous mettez quelque chose qui ne s'abîme pas. Là, moi, j'ai un tapis auto-cicatrisant. Et j'appuie. Et voilà, ma boutonnière, elle est ouverte. Quand c'est fait, après, le bouton, il passe. Donc là, vous voyez, ben, j'ai coupé le fil. Ensuite, quand c'est fait et que vos boutonnières sont faites, vous allez poser les boutons en face. Et vous allez donc superposer vos deux devants sur 2 cm. Hein. Et dedans, moi, ce que je fais, c'est qu'avec un crayon, je fais des trous, un petit point à chaque fois, repère pour savoir là où sera mon bouton. Et je couds mon bouton avec du fil et une aiguille au fur et à mesure. Voilà. Et là, votre corsage, il est terminé. Alors, cette vidéo était pour vous montrer comment monter le corsage camaré de A à Z. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, le détourner, le haquer pour en faire une robe. Donc moi ici, j'ai fait une robe à partir de mon corsage en la doublant entièrement. Pour ce cas-là, vous faites deux fois la jupe, une avec le tissu extérieur, une avec la doublure, et ensuite vous allez assembler endroit contre endroit la robe de la même manière que vous avez fait avec le corsage et la terminer de la même manière. Moi, pour faire une robe, j'ai fait une sorte de jupon en fait avec des panneaux rectangulaires froncés. Personnellement, vous voyez, il n'y a pas de couture parce que j'ai utilisé le panneau dans toute ma lèse. Parce que j'ai fait une petite taille. Mais si vous utilisez un panneau plus grand, vous serez obligé de faire plusieurs morceaux pour avoir suffisamment de longueur. Vous ferez un panneau d'un devant, un panneau de l'autre devant et un panneau dos. J'ai utilisé le système des fronts, c'est-à-dire que mes panneaux en largeur sont plus larges que le corsage. Donc pour ça, vous mesurez et vous rajoutez un peu, enfin on calcule genre un quart, un sixième, un demi, vous faites le calcul et vous rajoutez à chaque fois de la même manière pour les panneaux devant et les panneaux dos. Ensuite, vous les assemblez ensemble sur des coutures côtées. Puis, vous assemblez le haut du panneau avec le bas du corsage. Et si vous voulez un deuxième panneau, vous refaites la même chose en remesurant vos panneaux précédents parce qu'ils sont plus grands que le corsage. Et vous rajoutez un deuxième panneau de la longueur que vous voulez. Alors moi ici, j'ai mis 40 cm marge inclus en longueur. Je n'ai rajouté que un sixième de mon tour de bas de corsage. Ici, c'est très légèrement foncé. Et j'ai fait pareil entre le panneau du bas et celui-ci, en rajoutant qu'un sixième. Ce qui fait qu'en fait, ma jupe, ma robe, si je la boutonnais jusqu'en bas, je pourrais pas marcher. Donc, j'ai décidé de mettre des boutons jusqu'à mi-cuisse. Voilà, ça me fait une ouverture devant. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà.
Il y a une autre solution pour faire la jupe. Si vous avez un tissu pas transparent du tout, vous n'avez peut-être pas envie de doubler la jupe. Dans ces cas-là, il y a des choses à savoir. C'est que vous allez créer la jupe avant de l'assembler au corsage. Donc vous créez votre jupe de la même manière en mesurant et en fronçant. Mais il va falloir aussi inclure des marges d'ourlet sur le bord ici. Donc, il faut créer un ourlet, vous savez faire. Et puis ensuite, assembler vos trois panneaux sur les découpures verticales. Et il faudra aussi surfiler les côtés, puisque ce ne sera pas doublé. Et vous ferez un ourlet sur le bas aussi également. Donc il faut compter ces marges-là de couture pour faire vos ourlets. Et puis il faudra surfiler également l'assemblage des deux morceaux de jupe, en fait, des deux panneaux de jupe. Parce que celui du haut, par contre, lui, quand vous aurez fini votre jupe, vous aurez fait vos ourlets sur les côtés, que vous aurez surfilé les coutures verticales et que vous aurez fait votre ourlet sur le bas, vous allez l'assembler endroit contre endroit, le haut de la jupe avec le bas du corsage tissu extérieur. Ensuite, quand vous les avez assemblés ensemble avec des fronces, donc il y a tout un travail de fronces avant, donc il vaut mieux faire une première couture comme ça et ensuite vous rajoutez par-dessus, endroit contre endroit, le corsage doublure sur le corsage pas doublure, donc là, ici le violet, et vous aurez la jupe en boule à l'intérieur. Donc ça vous fera une espèce de tas et vous piquerez tout autour en laissant une ouverture pour tout ouvrir. Et quand vous ouvrirez tout, du coup, vous aurez la jupe qui sera installée. Je vous conseille de faire l'ouverture sur un côté devant pour pouvoir ressortir plutôt que sur le bas parce que sur le bas il y a la jupe. Voilà, et après vous faites vos surpiqûres si vous le souhaitez sur le corsage ou pas, ou vous fermez à la main et puis vous mettez vos boutonnières où vous en avez envie. Voilà, du coup au niveau fronçage, vous pouvez foncer beaucoup plus si vous le souhaitez, si vous voulez quelque chose de très bouffant ou pas. C'est à vous de voir. Vous pouvez même faire quelque chose de tout droit, mais je ne suis pas sûre que ce soit très heureux. Donc voilà, ce sera une robe pas très volante en fait sur le bas parce que j'ai fait un tout petit fronçage, un sixième. Calcul du fronçage, on mesure par exemple 28 cm. Ouais. Et quand on a 28 cm, on divise par 6, parce que c'est 1 sixième, 1 sur 6. Et le résultat qu'on trouve, on l'ajoute à 28. Et ensuite, on rajoute encore les marges de couture ou d'ourlet. Voilà.